Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour une nouvelle vidéo création, donc avec les produits de chez Bibicraft. Donc pour ces cartes, donc j'en ai fait deux. Toujours à peu près le même principe que mes autres cartes. J'ai utilisé ces trois planches de tampons. Qui sont vraiment trop belles. J'ai utilisé des petites découpes, donc des dies. Je vous présente les produits d'abord et après je vous montre les petites cartes. J'ai aussi utilisé ce coffret de tampons bois que je vous avais déjà montré dans la vidéo présentation des produits. Et au niveau du 3D, donc c'est toujours les carrés mousse. De chaque action, donc je rajoute toujours de la colle pour être sûr que ça colle bien. Et puis pour les fonds et les tamponnages, j'ai utilisé ce bouquin de page, donc pour aquarelle et feutre à alcool de chez Action, qui est vraiment top. On voit d'ailleurs les petits tamponnages. Au niveau des encres, j'ai utilisé donc c'est le Glimmer Mist de cette couleur-là. Ensuite, celui-ci. Celui-ci. Et le dernier pour donner un petit plus aux cartes, c'est toujours ma chouchou, cette encre blanche. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup et j'en ai renversé tout à l'heure. Donc, je suis trop dégoûtée parce que c'est vraiment, je suis vraiment au fond du flacon. Et au niveau de mes enamel dots, donc c'est toujours les Nuvo, donc c'est le transparent et couleur or. Qui est trop beau. Donc pour les nettoyages de mes tampons, j'utilise toujours les lingettes bébé. Donc c'est donc ça vient de chez Action. Et puis pour le fond, c'est toujours cette encre-là, la Memento en noir. Et pour la colorisation, c'est toujours les encres, enfin les twin markers. Donc voilà pour les produits et je vais vous montrer donc les petites cartes. Donc la première qui est comme ceci. Donc au niveau du fond, j'ai tout d'abord vaporisé avec cette encre-là. Et j'ai mis quelques gouttes avec celle-ci. Et ensuite bah, j'ai fini par quelques gouttes de l'encre blanche. J'ai attendu que ça sèche bien. Et ensuite j'ai tamponné une frise donc pour rappeler les tournesols. Donc c'est avec le tampon bois. Et ensuite donc on voit les tournesols de la planche. Et au niveau de mon titre, comme sur donc c'est pas comme les autres planches où on avait toujours des motifs et puis un sentiment ou une phrase. Là il n'y avait rien du tout. Du coup j'ai pris un sentiment de cette planche là et j'ai mis une petite découpe dans le coin et sur cette carte j'ai mis des enamel dots donc transparents comme je viens de la faire là il y a quelques minutes. C'est encore un petit peu blanc mais c'est normal, une fois que ça sera totalement sec ça sera transparent. Donc c'est une page, donc j'ai pris celle-ci, de ce côté-là, que j'ai pliée en deux. Et donc ça me fait une petite carte toute simple, mais voilà, que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai tamponné des petites fleurs juste en bas, donc elle vient de cette planche-là, comme le sentiment. Donc c'est ce tampon-là.
Voilà pour la première carte. Et la deuxième, donc qui est comme ceci. Donc pareil, c'est le même principe, une base de papier que j'ai pliée en deux. Au niveau du fond, j'ai utilisé cette encre là, donc la turquoise, et j'ai fait quelques gouttelettes avec celle-ci. Et bien sûr, l'encre blanche. Donc là, j'ai tamponné différents flacons et j'en ai tamponné un autre sur une feuille blanche que j'ai colorisée. Donc mon sentiment. Et les enamel dots, donc avec celui-là. J'aime trop la couleur. Et une petite découpe. Donc juste dans le coin. Et pareil, j'ai rajouté des petits tamponnages. Donc sur les côtés, j'ai... Donc c'est la même planche, donc j'ai utilisé ce tampon-là. Donc voilà pour ces deux petites cartes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude ce que vous en pensez. Moi j'ai été vraiment ravie de faire ces deux créations. Dans une prochaine vidéo je ferai, on fera une carte ou deux ensemble. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !